الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من شكره ولا يضيع من توكل عليه له الحكم وإليه ترجعون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الآن نتكلم عن أهمية الأسرة إن شاء الله تبارك وتعالى لأننا نرى أن الأسرة في حقيقتنا في هذا الزمان مهددة جدا فمن نعم الله تبارك وتعالى أنه أمر بحفظ هذا الإنسان ومن حفظ هذا الإنسان أن يحفظ الإنسان ويحافظ على الأسرة والأسرة هي بمعرفتها أن هذا المكان الذي يجمع العائلة الصغيرة التي تتكون من الزوج والزوجة ثم الأبناء وربما أكثر من ذلك Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de parler de l'importance de la famille. Et quand on parle de la famille ça veut dire que la famille, la grande famille, ce qui contient le mari, la femme, les enfants, peut-être les grands-parents, peut-être les oncles, peut-être tout ça. Mais si on parle de la famille, franchement, c'est le foyer. C'est le foyer où vivent les époux, tous les deux, l'épouse et l'époux, puis les enfants, peut-être. Ça, c'est une grande importance pour conserver la famille. Il faut considérer la famille comme un foyer, subhanallah, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans l'islam. Et si on veut rentrer dans les détails de tout ça, subhanallah, on rentre dans la sourate de la lumière, le Coran al-Karim. Dans le Coran, il y a la sourate de la lumière, sourate an-Nur. Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé de l'importance de la famille, du foyer surtout. Du foyer, pour rentrer chez quelqu'un d'autre, il ne faut pas rentrer comme ça. Au hasard, vous poussez la porte et vous rentrez. Non, au contraire, il faut demander, il faut taper la porte, il faut attendre. Et quand vous tapez la porte, il faut s'écarter à gauche ou à droite. Il ne faut pas rester bien en face de la maison pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça nous dit bien, ça nous explique bien l'importance et les secrets qu'il faut garder de la famille, hein, surtout du foyer. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhal ladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha » Il ne faut pas rentrer chez les gens comme ça. Hein? Il faut taper et attendre. Ici, on vous dit que vous retournez, ne rentrez pas tout de suite. Vous retournez. Ça, c'est mieux pour vous. Donc la famille, si on parle de la famille de l'islam, il la considère comme un lieu saint, comme un lieu qui a beaucoup d'importance. Il faut la conserver. Et pour la conserver, cette famille ou ce foyer, pour le protéger, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Nous, subhanallah, on a les détails dans le Coran al-Karim. On a les détails dans les conseils des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. On a les détails chez les savants et chez les sages dans l'islam. Idan fa ahammiyat al-usra fi l'islam laha shay azim, 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 azim jiddan la yustahanu bihi. شوف سبحان الله العظيم هذا الأسرة cette famille ce foyer qui contient les parents les enfants l'épouse et l'époux peut-être plus que ça regardez l'importance que Allah Azza wa Jal a donné dans cette pour cette famille pour ce foyer que même Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit pour les parents وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ عِنْدَكَ dans le foyer si jamais il y en a un de tes parents qui est à un certain âge dans ton foyer il faut bien le traiter il faut bien un bon comportement avec les parents donc la famille dans l'islam, la famille dans l'islam et dans la famille, normalement, chez toute l'humanité, il faut la conserver, il faut bien la protéger et il faut bien garder les secrets de la famille. Pourquoi ? Parce que la famille, normalement, subhanallah, s'il y a le bon comportement, hein,
bon comportement qui globale tous les habitants du foyer, subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la famille, ça fait partie du monde. Et quand chacun de nous garde bien les liens, garde bien les secrets et fait bien attention de conserver et de protéger ce foyer, eh bien, c'est, nous, on protège tout le monde, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Grâce à la protection, grâce à l'attention qu'on doit à au foyer, on peut protéger tout le monde. Si chacun de nous fait des efforts pour protéger son foyer, pour garder les secrets du foyer, pour tenir ce foyer comme un lieu saint, donc là, on peut protéger tout le monde, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi je dis un lieu saint? Parce que par rapport à hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, « La yitusahib illa mu'min, wa la yadkhulu baytuka illa taqi. » Regardez, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils pour protéger la famille, pour protéger le foyer. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Ne prends pas comme ami intime que quelqu'un qui est mu'min, qui est croyant. Il ne fait rentrer chez toi que quelqu'un qui est pieux. Parce que la piété, quelqu'un qui rentre chez toi, il ne faut pas qu'il regarde à gauche, à droite, il ne faut pas qu'il regarde les choses qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas qu'il sorte avec les secrets de la maison qu'il les donne aux autres. Il faut bien protéger ça. Et ça, normalement, les bases de la protection du foyer, c'est les parents. Si les parents ils sont bien sincères, s'ils sont bien éduqués, s'ils prennent bien les choses avec attention, on risque, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on a une grande chance pour que les enfants ils seront vraiment bien protégés et ce lieu saint qui est la famille, qui est le foyer, il sera, Inch'Allah, bien très protégé. Enfin, donc, quand on rentre dans les détails pour protéger la famille, et pour protéger, bien sûr, ce foyer, il y a beaucoup, énormément de choses à dire. Mais pour le moment, Inch'Allah, on va s'arrêter peut-être là. On reprendra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, une autre fois, pour aller plus profond, pour protéger ce foyer et pour donner l'importance à ce foyer, et surtout le foyer musulman, il n'est pas comme le foyer des autres. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل بيوتنا بيوتا صالحة خالية من الشبهات فيها من يتقي الله تبارك وتعالى وأن لا يدخلها إلا مؤمن تقي بإذن الله تبارك وتعالى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.